Voilà, je voudrais en ce jour de la résurrection rendre grâce à Dieu et nous vivons dans l'espoir. Et d'ailleurs, nous commençons à sentir, c'est pas encore ça, le directeur national de la santé qui dit il y a des améliorations, mais prudence. Nous écoutons, nous entendons, mais aussi nous avons l'espoir qu'avec la résurrection du Christ, c'est une nouvelle vie. Il y a un passage, le passage de la mort à la vie, dont le Christ est vainqueur. Cela, pour nous les chrétiens, est important. Donc, nous disons merci à tous les acteurs, aux soignants, aux infirmiers, aux chercheurs, à tous ceux et celles qui sont parties prenantes, à ceux qui prennent les décisions. Bien évidemment, à vous, hein, chers journalistes qui êtes venus. C'est une autre manière. Ce temps de confinement nous permet d'utiliser les réseaux sociaux pour l'annonce de l'Évangile. Et cela nous fait prendre conscience que c'est une autre modalité d'annonce de Jésus-Christ. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de venir. Je voudrais dire merci à tous les maires qui ont pratiquement répondu hier, qui ont accepté d'aller ouvrir les églises pour que ces sonneries puissent annoncer la résurrection. Pour nous, c'est important. Merci à chacun et à chacune d'entre nous. Merci.